Il y a 200 ans, naissait le poète réunionnais Lecomte de Lisle. Le département a décidé de célébrer ce bicentenaire tout au long de cette année. Que ne puis-je finir le songe de ma vie ? Que ne puis-je coucher dans le chien-dent amer, chair inerte ? Ce mardi, à l'école Narasiguin de Brapanon, en présence de la vice-présidente déléguée à la culture, du maire de Brapanon, de la délégation culturelle du département, du représentant de l'éducation nationale et des artistes, qu'a eu lieu la remise de livrets de poésie Le Comte de Lisle aux enfants. C'est un besoin à Brapanon et c'est un besoin à l'école Narasiguin. Donc Le Comte de Lisle dans Brapanon, dans Narasiguin, c'est le plus beau projet de vie que chaque enfant peut partager. Alors un réunionnais à l'Académie française, un réunionnais qui signe un nouveau courant de poésie, c'est extraordinaire. Connaître une œuvre, c'est la connaître de mieux en mieux. C'est apprendre à l'aimer. C'est pourquoi le département initie ou accompagne des projets très différents. Nous fêtons le bicentenaire de Le Comte de Lisle et tout naturellement, la culture se déplace et vient dans l'Est, à la rencontre de nos jeunes, puisque nous faisons un travail avec l'ensemble des jeunes des 24 villes de La Réunion. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a 600 jeunes qui sont inscrits et qui travaillent sur les poèmes de Le Comte de Lisle. Les programmes de l'année de Le Comte de Lisle sont à retrouver sur le site département974.fr.